à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un mini vlog. Je vous prends tard ce soir. Je vous ai pas pris. En fin de compte, j'ai filmé les bêtises et lutins, l'ouverture des calendriers et c'est tout. Donc, je vous prends là et puis je vais vous mettre les images tout de suite après. Et ensuite, je vous ferai un petit blabla. Quoi? Attends. Ça va? Il y a pas de... Ah bah t'as une croix. Violette. Sur mon front. Elle a pété. Il s'est vengé, ton lutin. Il a fait quoi? T'as une croix sur... Si tu as une croix sur ton front, c'est que je t'ai pété dessus. Viens voir si t'as une croix. Viens voir là. Là, mais c'est un mur qui marche plus. Mais Vanilla me croit, donc le lutin il lui a pété dessus, il est pas content. Bon, bah voilà, la météo n'a pas menti, hein. On a de la neige. Et beaucoup. Et plus qu'hier, hein. Là c'est vraiment de la neige, là tout est blanc. Voilà. Blanc flashy. Oui, blanc flashy. Allez, ouverture du calendrier, jour, numéro... 3. Et c'est une pomme de pain. Une pomme de pain. Une pomme de pain. Du coup, je vous la montre de plus près. En plus, ces graphismes, ils sont bien faits. Pour dire, ça a la même texture qu'une pomme de pain, sauf qu'on ne peut pas enlever la petite. Ensuite. C'est quoi la main? Une maille. Evan, t'as pas le temps de le savourer, ton chocolat. Fou, tout de suite, hein. Allez, numéro 3, Mario. Et Barbie. Je veux la princesse Peach. On dirait quoi? C'est pas moi, fais voir. Un bonnet, je dirais. Non, une cloche. Oh, j'ai... Toi aussi? Ah, toi t'es un bonhomme de neige. Mmh. Et le jouet. Ensuite, alors, les calendriers. Jouets, ouais. J'espère que toi ça va aller parce que les tiens, ils sont tous tombés. Pour toi, c'est une voiture, mais elle est quelle couleur aujourd'hui? Elle est blanche. Blanche? Ok, ouais. J'ai une bombe de bain. T'as une bombe de bain? Yeah. Ouais. Et pourquoi pas moi? Et du coup, boudin. Il est où le cas? Boudin. Du coup, ça va être sûrement notre bombe de bain. Il y en a quatre en tout. Oh bah vas-y, moi je vais pas mettre ma voiture dans on le on ira t'en chercher des bombes de bain. Non! D'accord. Non! Bon. Prendre le bain ce soir, ce sera parfait. Oui. Donc, Evan, il a eu sa voiture, mais il n'est pas content. Et puis, Rina a eu son bombe de bain. Je vais manger tout. Donc, voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, bon, on n'a pas fait grand-chose. Hein. On s'est levé, il était 8h. Bah, comme vous avez vu, il a bien neigé. Ça a bien tenu. Irina a été dehors malgré le froid pour voir, hein, pour faire un peu de boule de neige comme elle était gelée.
Du coup, elle a pris son bain de bonheur ce matin vers midi. Bon, de bonheur, non, était midi. Parce qu'elle avait, elle a voulu aller jouer à la neige, mais en rentrant, elle était vraiment gelée. Donc, du coup, elle a pris son bain. Et puis, en même temps, elle a utilisé son galet de bain qu'elle a eu dans son calendrier de l'Avent. Donc, du coup, on a fait ça. Christian a été à Intermarché pour du pain. Et en fin de compte, pourtant la météo, je crois qu'ils avaient dit qu'il allait avoir peut-être des neiges. Et il n'y avait rien de salé de nulle part en fin de compte. Donc Christian, il a dit que c'était très compliqué de rouler. Pourtant, il n'y avait pas grand-chose, hein, mais franchement, ça glissait bien. Donc du coup, il n'a pas roulé trop vite quoi, en fait. Heureusement que c'était pas aujourd'hui le spectacle des majorettes, parce que sinon on aurait été bien. Donc ensuite on a mangé on a encore mangé ce qui des frites avec un steak haché. Du coup ce soir je vais faire des gaufres. De ce temps là on n'a pas envie de manger forcément quand on aime bien manger chaud. Du coup on va faire ça. Moi j'ai fait mon linge, j'ai remis en route une machine pour remettre au sèche-linge, j'en ai mis une de laine, d'ailleurs le pull il est tombé, et je fais sécher sur les radiateurs, comme j'ai plus mon étendoir, il est cassé, donc du coup je fais système D, mais bon tout ne passe pas sur les radiateurs, donc du coup c'est un peu compliqué, mais bon on y arrive quand même. Donc j'ai fait ça, j'ai fait ma cuisine, j'ai passé coup d'aspirateur laveur parce que Christian en fait il a rangé dehors un peu parce qu'il y avait des outils à l'extérieur, des outils qu'il vient juste d'avoir de cette année, donc du coup il les a démontés, il les a remis au sec à la maison. Du coup on a regardé pour fermer la porte du garage, mais on peut pas parce qu'il y a encore 3 ou 4 chats dedans. Donc du coup on essaye de les faire sortir mais comme il pleuvait, il faisait de la... En fin de compte, il a arrêté de neiger aux alentours de 11h30. Donc, du coup c'est resté un petit moment et après il a commencé à pleuvoir, mais on aurait cru de la pluie glacée en fait. C'était bizarre en fait, comment ça claquait sur les tôles, c'était bizarre. Donc du coup forcément les chats ne voulaient pas sortir, hein. Il pleuvait donc forcément voilà quoi. Ensuite on a regardé un film de Noël, le copain Irina est venu vite fait rester avec elle, ils ont fait du dessin. Et puis ensuite on n'a pas fait grand chose de plus, donc là je vais aller faire mes gaufres, puis on va manger. Evan s'est endormi, je sais pas si je vais le mettre à l'école demain, on verra demain comment il va, parce que là il attrape des plaques au niveau de ses joues. Donc je sais pas du tout, et puis il a toujours son nez qui est fort irrité, donc je vais peut-être aller à la pharmacie demain pour voir s'ils ont pas de la crème spray pour son nez, parce que franchement c'est horrible, ça lui fait extrêmement mal en plus forcément, il est à vif en fait, il est rouge vif, donc ça lui fait mal, même pour lui laver, parce que en fin de compte pour le moucher tout ça, j'arrive même pas à le moucher, j'arrive pas à rien faire, il veut pas que j'y touche parce que ça lui fait trop mal. Du coup, quand il faut, je lui donne le gant toilette et il le frotte, mais il a du mal à frotter son nez. Donc là, il s'est endormi dans le canapé. D'un coup, comme ça, il s'est endormi. On n'a pas vu s'endormir. Donc, je ne sais pas s'il va se réveiller pour manger ou pas. Et pareil, moi, pourtant, je ne sais pas, on est en hiver, normalement, du pollen, on n'en a pas. Mais en fin de compte, je pense que si, parce que j'ai arrêté mon traitement pour le pollen. Et là, j'ai mon nez qui me gratte, ma gorge qui me gratte, mes yeux qui me piquent. Donc, je vais peut-être reprendre quand même mon traitement pour le pollen. Parce que là, je ne savais pas qu'en hiver, il fallait continuer de le prendre. Donc, du coup, je vais le prendre et puis voilà. Donc, voilà pour ce qui est notre petit dimanche. Je vous avais dit que ce ne serait pas une grande vidéo aujourd'hui. Parce qu'on va pas le dimanche, on ne fait pas énormément de choses. On repose. Bon, dimanche prochain, vous aurez, puisqu'il y a le spectacle de Noël. Donc forcément, vous verrez des choses. Mais sinon, à part... on fait pas grand-chose le dimanche. On aime bien rester... à la maison, sous les plaids, surtout de ce froid-là. Quand c'est l'été, on aime bien aller se promener, aller à la plage, tout ça, mais l'hiver, on aime bien rester au chaud. Hein.
Donc voilà, je vais commencer à broder normalement ce soir. Comme ça, je vais pouvoir commencer. Je vais broder les prénoms déjà. Et puis voilà. Donc là, je vais vous laisser. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, d'activer la petite cloche et de vous abonner. Et moi, je vous dis ciao !